Gryfox, on se retrouve dans cette vidéo pour un petit peu de Forge Magie. Alors j'ai choisi le format que je vais vous faire de manière récurrente, ce sera 3 items. 3 items que je vous présente jusqu'à ce que ça passe, et voilà, ça nous fera à chaque fois une petite vidéo, et je pense que la durée sera pas mal. Profitez bien. On commence par une alliance brûlame que j'ai passée exopm pour un client. Alors le jet n'est pas propre, hein. Franchement pas top, mais c'était ses exigences, il voulait juste 6 dommages feu, air, terre, et voilà, un truc à peu près acceptable sur le reste, donc bon, c'est pas un exo incroyable, mais c'est toujours sympa de voir un petit PM qui passe, et puis dans la mesure où le client était satisfait, bah, c'est toujours ça de prix, donc voilà, je vous mets juste un petit screen rapidement sur la vidéo, parce que voir un petit PM comme ça sur un anneau, moi je trouve que ça fait toujours plaisir. On passe à la suite. On est parti pour une Synthacée. Alors là, le PA vient de tomber sur une rune critique. On a à nouveau 22 puits, hein, 2 x 10 qui partent pour le critique. Et voilà, on enchaîne directement, on va remonter un petit peu tout le reste. Ce FM, je le faisais un petit peu en speed, tout simplement parce que j'avais un client qui m'avait demandé pour un FM, et je me suis dit, bon, le temps qu'il achète ses runes, on va faire une petite tenta. C'était un jet dégueulasse que j'avais pris pour un truc PVM. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer de faire un truc propre, ça pourrait être sympa. Et voilà, donc juste une petite tentative que j'ai faite tranquillement pour passer le temps. Donc les esquives PM qui passent. Ah, on a un petit message sympathique d'un abonné apparemment. Alors voilà, donc là ça passe plutôt bien, on a un truc assez propre plutôt rapidement. On remonte les répoux à 20 bien sûr, alors ensuite il reste la pas de cri, hein, qui est toujours un peu compliqué à passer, et là, gros coup de chance, ça passe en crit. Ce qui fait qu'il me reste 19, donc je peux tenter 3 runes. Et on a un petit 2%, et vous le voyez, ça passe. Donc juste en une tenta comme ça très rapidement, je me retrouve avec un jet vraiment sympathique. Alors peut-être que je tenterai un PO si j'arrive pas à le vendre comme ça, et puis sinon, bah... Voilà, donc si je le vends, tant mieux, quoi. Le PA vient de tomber sur une amulette du Strigid, avec un jet vraiment sympathique, là. Sympathique dans la mesure où, en leur mentant, on va pouvoir tomber sur quelque chose de très propre, puisqu'on a les 25 d'Ocri. Alors il me semble qu'en fait je l'avais eu juste après avoir... Ah bah oui, effectivement, quand on voit l'historique, on voit que j'avais repassé un PA, et directement j'ai refait tomber le PA ensuite. Donc j'avais un puits PA qui n'a pas abouti, donc là je suis en train de compter mon puits, et je vais pouvoir enchaîner directement sur une deuxième tentative. Donc ça c'est quelque chose d'assez rare, mais quand ça arrive, ça peut souvent donner l'occasion d'avoir un truc très propre au final, si jamais ça passe. Alors là je compte mon puits rapidement, je sais... Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai l'air de cafouiller un petit peu. Ok, bon, on devrait s'en sortir quand même. Ok, donc j'ai 91 de puits, apparemment, plus 4 qui devait être résiduel d'avant. D'accord, donc en fait là, dans les cas là, je recompte tout le puits que j'avais avant, et comme je sors d'une session où j'avais le puits qui était compté rune par rune, eh bien, je peux savoir exactement j'ai combien de puits au stade où le PA tombe, alors que parfois on est un petit peu dans le flou par rapport aux runes qui sont passées avant. Idéalement, il faudrait qu'on soit toujours attentif et qu'à chaque rune on compte, parce qu'il peut toujours y avoir un petit peu de résidus, mais bon, concrètement, on perdrait beaucoup trop de temps à faire ça. D'ailleurs, dans les suggestions d'amélioration de Dofus, il y a quelqu'un qui m'a proposé qu'on ait tout le temps un petit indicateur de puits. C'est vrai que ça pourrait être marrant, mais ça casserait un petit peu le mythe du FM et de la capacité à compter, quoi. Bon, cela dit, on est parti du coup pour donc remonter la Vita. Alors j'avais 99 de puits apparemment, d'après mes calculs. Et ensuite, on part en over-raise, donc ça se passe plutôt bien. Enfin, en over, pas en over, hein, on remonte simplement. Et là, on est parti pour remettre la vitalité qu'on va passer à 430. Si la rune passe, ok, ça passe, nickel. Et il nous restera donc 61 de puits pour essayer de venir chercher les over-récrits. Les over-écrits qui vont passer... Alors, c'est vrai que j'aurais pu garder une repère pour faire tomber 30 de vitalité, ça aurait peut-être été plus simple. Bon, cela dit, avec des parts écrits, ça se fait très bien aussi, hein, vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc là, on tombe directement sur un truc très propre à 400 de vita, et il reste 61 de puits. Alors pour ça, on enlève un de puits avec une rune comme ça, ce qui nous laisse 60, et avec 60, et bien tout simplement, on peut partir sur 20 tentatives. Alors on est parti. Ça se passe plutôt bien. Là, à ce moment-là, je suis en train d'espérer vraiment avoir un jet énorme. Alors, une fois qu'on arrive à 0 récrit, alors il faut savoir en fait, hein, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, quand on est sur du malus, donc avec du moins quelque chose, le poids des runes est divisé par 2. C'est pour ça que les parts écrits valent 3. Mais une fois qu'on passe la barre des 0, là j'y suis, et eh bien il faut reprendre en compte le fait que ça vaut 6. Ou que chaque récrit vaut 2, quoi. C'est pourquoi j'avais 33, donc là j'en enlève une pour repasser à 31. 31, ce qui me laisse 5 tentatives là-dessus. Et bien comme vous le voyez, j'ai quand même un de sagesse qui tombe, alors je comprends pas trop pourquoi. Ça fait pas longtemps hein, que je m'attaque à des items avec des malus, et j'essaie de bien comprendre comment ça marche. Et je suis un peu surpris de voir à quel point c'est erratique, et en plus on n'est pas du tout documenté sur la question. C'est pas évident. D'autant plus que là c'était un jet magnifique. Alors le PA vient de tomber, on a 93 depuis, je vais partir, on va remonter les raises. On a d'abord les deux cris, hop là, allez hop. Bon ok, ça passe moins 30. On a du coup les 25 de cris, j'ai de la chance parce que la puissance était déjà bien à la base. J'aurais pu m'en trouver bloqué si j'avais été à 65 ou quelque chose comme ça, mais à 68 ça passe. Ok, le tacle qui crit. Les esquives qui passent à peu près, on est à 56. J'espère avoir un truc bien. Alors, moins 6, 12, 18, moins 24. Hop. Il nous reste donc 32. Bah on va tenter 2 comme ça. Ah putain, j'avais même pas minimisé le malus. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Hop. Ok, moins 2, il nous reste 30. Donc on peut faire 10 tentatives là-dessus. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me reste 3 depuis là. Sauf que du coup, 3 depuis. Si ça passe, comme il y en a 2 qui vont être qui ne seront plus en malus, normalement, ça va me bouffer plus que 3. Alors ça, c'est un peu flou en fait, parce qu'on a très peu de documentation là-dessus sur comment ça se passe. Mais je pense que je ne peux en tenter qu'une seule comme ça. Ok, alors là, si le PA passe, je suis sacrément bien. Allez, on y croit. Putain, dommage. Et alors, quelques runes après la tentative précédente, j'ai à nouveau le PA qui tombe. Alors, la puissance n'a pas bougé, la vitalité non plus. La sagesse, je crois pas qu'elle ait bougé non plus. Alors, en revanche, là, j'ai un 24 de cri, donc ça fait chier. Il aurait fallu que je puisse le baisser pour remonter à 25. Bon, tant pis, on va devoir se contenter de ça. On peut plus vraiment le toucher là, parce que monter à 25 avec une rune d'ocru quand on est à 24, c'est extrêmement compliqué. Ça a très peu de chances de passer, hein, concrètement. Alors, on remonte les raises. Hop, donc là j'en ai 3 qui sont passés en non-crit et 2 qui sont passés en crit, donc c'est pas mal. Et tout le tacle à remonter, il va falloir passer pas mal de runes là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moins 24, et il nous reste 46 depuis, bah là on va directement partir, on est en over-écrit je pense. Bon, je pourrais remonter un peu la vita, mais ça risque de manger beaucoup de puits, donc je préfère ne pas le faire. Concrètement, on va partir sur une tenta comme ça. Ok, donc là il me reste 45. 45, ce qui va nous laisser faire 15 tentatives là-dessus. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et bah décidément, ça n'a pas voulu passer. Hein. Bon, si on a un PA là-dessus, ça fait toujours plaisir. Mais malheureusement, pas de PA. Alors, le PA vient de tomber sur une rune de résistance. Et en plus, on avait un de puits qui restait là juste avant, parce qu'on a plus 8, moins 7, donc il restait 1. Ce qui nous fait donc 95. 95, et là le jet est plutôt bien pour qu'on puisse espérer avoir quelque chose de propre au final. Alors ok, le 2 cri qui passe directement, moins 5, et là ensuite il va nous falloir 2 pas de cri, qui passe directement, bon c'est pas du crit mais c'est chouette. Donc là la puissance, dernier moment vraiment compliqué du FM. Ok, ça passe en 40 depuis, malheureusement ça va pas nous laisser grand chose pour le reste. Si on a un peu de chance on peut quand même avoir un truc intéressant, donc là on a moins 6... Moins 10, moins 14, et il ne reste que 6. Donc à moins qu'on ait un succès crit là-dessus, on ne pourra pas aller très loin malheureusement. Ouais, effectivement. Donc là il me reste 2 depuis. Avec 2 depuis, bah, concrètement je peux pas aller bien loin. Je peux en tenter 2 comme ça. Ou 3. Allez, 1, 2, 3. Ok, allez. On va dire que c'est... C'est propre au moins, bon c'est propre, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Et pas de PA malheureusement, dommage. Le PA vient de tomber sur une rune d'esquive PA, et on avait 1 depuis avant, donc on est à 1 plus 93, mais malheureusement là on est à 24 de cri, et ça va être un petit peu compliqué de repasser à 25. Donc on va partir sur du 24 de cri malheureusement, je vais pas tellement pouvoir améliorer ça. Bon, cela dit, le jet est quand même assez propre hein, par le reste, la puissance, ce serait bien que ça passe assez vite. Ok, chouette. Et maintenant la vita, et on va pouvoir partir directement en over-raise. Parfait. On a 50. Alors on est parti déjà sur une rune comme ça. Et 50, comment on va exploiter ce truc? On va y aller sur moins 2. Ok, moins 2, il nous reste donc 48. Ce qui nous fait 16 tentats sur les runes par écrit. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... What? Et alors c'est tout le temps comme ça que ça se passe, mais c'est incroyable ça. Pourquoi ça se passe comme ça là? Pourquoi je n'avais pas 16? J'ai du mal à compter mon puits, bon bah il va falloir repasser ça en crit. Et malheureusement on perd des rescrits. Oh je suis déçu, je suis extrêmement déçu. Qu'est-ce que j'ai foutu avec le puits? Bon. Ok, je vais devoir recompter tout ça. Bon, bah après avoir recompté pas mal de fois mon puits, je comprends pas ce qui s'est passé. Là je suis un peu perdu. J'avais pas passé la barre des 0 réécrits, donc j'étais toujours sur du malus, donc normalement les par écrits valent toujours 3. J'aurais dû avoir 16 tentatives et sur la 15e j'ai fait tomber un esquive PA, je ne sais pas pourquoi. Alors je suis pas, c'est pas dans mes habitudes hein, d'FM des items qui sont avec des malus comme ça. Alors peut-être qu'il y a des petits aspects techniques que je ne connais pas, et j'en appelle à vos talents de Forge Magie, si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont un petit peu calés là-dessus, notamment sur les amulettes Strigid. Eh bien j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui m'est arrivé et que vous m'aidiez à comprendre. Voilà, donc bah, je termine cette vidéo là-dessus, et j'aimerais vraiment bien avoir l'explication pourquoi sur la 15e j'ai perdu une esquive PA, alors que je devais en avoir 16. Je pense que mon puits, je l'ai bien compté, j'ai refait le calcul pas mal de fois. Voilà, j'aimerais vraiment comprendre, et j'attends éventuellement votre avis si vous pensez pouvoir m'éclairer. Malgré tout ça, on a quand même un G qui est vendable, hein, mais c'est pas fou. C'est dommage parce qu'on avait quand même 440 et 70, donc c'était quelque chose de très propre. Hein. Bon, il y avait quand même les 24 de cri qui auraient un peu cassé la beauté de la chose, mais c'était quand même assez bien parti. J'hésite à tenter un PO là, mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, cette vidéo, ça va s'arrêter ici. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je suis un petit peu, j'ai un peu les boules là, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!